Bonjour tout le monde, bienvenue. On va juste attendre quelques minutes. Il y a à peu près le double d'inscrits. Donc, on va se donner un, deux, trois minutes pour attendre les retardataires. Est-ce qu'on va se rendre à 10 sur 18? Je ne sais pas. Et 35, allons-y, tant pis. Donc, bonjour tout le monde, désolé pour le petit délai, on était supposé d'être 18. Bon, on va y aller pour la moitié de la salle. Je m'appelle Caroline, je suis bibliothécaire, responsable des données, des publications gouvernementales à la BLSH. Je vous souhaite la bienvenue à cette petite formation, introduction à l'utilisation de R Markdown. Je vous avoue que vous êtes mes cobayes. Je trouve ça assez frustrant de faire ça virtuellement parce que R Markdown, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend en le faisant. Comme bien d'autres choses, évidemment, mais particulièrement. C'est assez technique. Donc, je vous ai préparé, en fait, comme toutes mes autres formations, ça se voulait un atelier en laboratoire de 3 heures. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit condensé d'informations avec une démo. Libre à vous, par la suite, de l'explorer selon vos intérêts. Évidemment, vous pourrez me faire signe si vous avez besoin d'aide également. Donc,
L'objectif pour la prochaine heure, se familiariser avec l'environnement de RStudio pour la création de documents dynamiques, comprendre l'anatomie d'un document R Markdown, comprendre les différents formats et paramétrages de base, apprendre les bases du balisage Markdown, apprendre à structurer un document R Markdown et apprendre comment partager son document en ligne. Ça me semble beaucoup pour une heure. C'était l'objectif en laboratoire. On va aller jusqu'où on peut. Et par la suite, vous pourrez me revenir si vous avez des questions. Oui, puis avant de poursuivre, j'ajouterais juste de ne pas hésiter, si vous avez des questions, à les inscrire dans le clavardage. Puis je pourrai les lire à Caroline, qui pourra y répondre. Donc, oui. N'hésitez pas d'intervenir si jamais vous avez besoin de clarifications ou des questions. J'ai heureusement ma sympathique collègue Cynthia qui va pouvoir me transférer vos questions. D'ailleurs, je vous invite à m'interrompre si vous voulez ou de toute façon écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat si vous ne voulez pas m'interrompre parce que vos questions vont probablement être assez techniques si vous en avez. Donc, revenir au début, rendu à la fin, ça va être moins évident. Donc, quand vous avez une question, posez-la tout de suite et je tenterai d'y répondre au fur et à mesure. Et justement, il y a déjà une question plus pratico-pratique. On nous demande si l'enregistrement sera disponible. Donc, on sait que c'est enregistré en ce moment. Oui, c'est enregistré en ce moment. Toi, est-ce que tu le vois enregistré, Cynthia? Oui, oui, je te le confirme. C'est en cours d'enregistrement. Donc, sur le site YouTube des bibliothèques, la plupart, une grande partie des formations qu'on donne est disponible par la suite. Aussi, le document de formation que je vous présente en ce moment, qui est un document R Markdown, est déjà en ligne sur un site GitHub. Donc, je pourrais vous envoyer le lien pour consulter le document de formation en tant que tel. Donc, pas de problème. Donc, ça, c'était ce qu'on va faire. Ce qu'on ne fera pas, on ne fera pas de LaTeX. Si vous êtes familier avec LaTeX, on n'en fera pas pour compiler des documents en format PDF. LaTeX qui est pas mal plus compliqué que Markdown et qui nécessite une installation un peu plus lourde. Il faut installer ce qu'on appelle une distribution tech. Bref, on n'ira pas là. Git et GitHub pour archiver, partager en ligne. Le document que vous regardez en ce moment est sur GitHub, mais on n'ira pas là parce qu'on a juste une heure, puis GitHub, c'est une formation en soi, puis ça ne répond pas nécessairement aux besoins de tous. Il y a des façons beaucoup plus expéditives de mettre des trucs en ligne que GitHub. Si j'ai le temps, je vous le montrerai. Apprendre R, c'est évidemment pas l'objectif de la formation, parce que ça, c'est un défi en soi. J'aurais d'ailleurs un petit sondage à vous lancer, en fait. Puis là, j'improvise vraiment parce que je ne suis pas capable de modifier la question dans le paramétrage de Zoom. Mais la question que je vous lancerai, je vais vous le lancer directement en espérant que ça fonctionne. Puis la question à laquelle je veux que vous répondiez, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes familier avec RStudio? Donc, vous voyez les options A, B, C, D en principe de votre côté, je l'espère. Donc, A, pas du tout. B, un peu. C, moyen. D, beaucoup. Ça, c'est juste pour me donner une idée, parce qu'au départ, il y avait 18 inscrits de 13 départements différents. C'est assez diversifié, donc juste pour me donner une idée, est-ce que vous êtes familier avec RStudio? Pas avec R Markdown, juste RStudio. Donc, 6 sur 9, 7 sur 9, OK, OK. Donc, est-ce qu'il y en a deux qui manquent? C'est pas si grave, ça me donne une bonne idée déjà quand même, si vous voulez voir. Donc, 4 qui ne connaissent pas du tout, un peu, c'est moyen, des beaucoup. Donc, donne un peu une idée. Merci pour vos réponses, d'ailleurs. On va fermer ça. Donc, le but, c'est pas d'apprendre R, parce que
que bon, c'est un gros défi en soi, en effet. Je vais vous montrer un petit peu RStudio, comment ça fonctionne, mais encore là, ce n'est pas une formation sur RStudio. Quoique c'est un environnement de programmation qui est très facile à apprendre. Donc, ça ne nécessite pas tant de formation que ça, RStudio. Alors que R, c'est un langage de programmation en bonne et due forme. Donc, ça nécessite la courbe d'apprentissage et peut être un peu à pic. Donc, je vous dirais, pour ceux qui se lancent dans R Markdown et qui n'en ont jamais fait avant, c'est pour ça que j'aime bien cette petite image-là. Quand on commence, puis même quand on avance un peu, on alterne toujours entre deux états. Soit que vos trucs fonctionnent super bien, vos scripts sont très bien faits, vous pesez sur le Python, puis par magie, vous avez une très belle présentation comme celle que vous regardez en ce moment, et vous êtes vraiment fiers de vous. Et quelques heures plus tard, vous faites une petite modification, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis là, vous vous rendez compte que ce que vous pensiez que vous compreniez, en fait, vous ne comprenez rien. Ça ne vous aidera pas tellement de savoir ça, mais c'est juste pour vous dire que c'est un état normal quand on utilise R, RStudio et R Markdown, de toujours se sentir comme un dieu ou comme un parfait incompétent. On alterne, on est toujours dans une espèce d'état schizophrénique, si on veut, quand on utilise cet outil-là. Donc, juste un petit avertissement pour vous encourager puis pour pas que vous retourniez rapidement à PowerPoint parce que vous trouvez ça trop compliqué. Il faut persister. Ce dont on aura besoin, le minimum nécessaire, c'est R, RStudio. Et il y a trois packages, trois modules essentiels quand on veut faire du R Markdown, Knitter, R Markdown et Pandoc. Mais ce sont trois modules, trois outils qui sont installés par défaut quand vous installez RStudio. Donc, en principe, à la base, tout ce que vous avez besoin d'installer, c'est R et RStudio. R, pour ceux qui ne sont vraiment pas familiers, là, je vais prendre quand même une petite minute pour vous expliquer en gros. Donc, R, dans le fond, quand on dit qu'on veut apprendre R, dans le fond, ce n'est pas un logiciel qu'on apprend, c'est un langage de programmation, comme Python, comme C++, comme HTML. Mais il faut installer R sur son poste. Puis quand on installe R, ce qu'on installe, c'est une espèce de console de programmation très minimaliste, là, comme une espèce de console DOS. Il n'y a pas grand monde qui utilise ça tel quel. Tout le monde va installer ce qu'on appelle un IDE par-dessus, c'est-à-dire un Integrated Development Environment. C'est un éditeur de script. Donc, c'est une interface qui est beaucoup plus conviviale pour faire de l'analyse quantitative dans R, pour faire des documents R Markdown également. Ça va beaucoup faciliter votre travail aussi pour gérer vos fichiers, vos objets, vos commandes, vos historiques. C'est vraiment un must. En fait, quand on veut utiliser R, d'installer RStudio. En fait, RStudio, c'est un IDE parmi d'autres. Il en existe d'autres, mais honnêtement, ça ne vaut pas vraiment la peine d'en parler. C'est vraiment RStudio qui est utilisé par tout le monde. Et donc, je vous ai mis le lien. Vous installez R de base. Vous choisissez votre système d'exploitation, Mac, Windows, Linux. Ça fonctionne très bien. C'est deux outils gratuits, évidemment, ce qui est l'intérêt de ces outils-là, entre autres. Vous installez R. Une fois que c'est fait sur votre ordi, vous installez RStudio, qui est un autre outil ouvert, gratuit. Vous choisissez Mac Windows, vos versions. Ça s'installe généralement assez bien, il n'y a plus trop de problèmes. Et par la suite, si nécessaire, vous aurez ou vous pourrez installer ce qu'on appelle des packages, des modules, qui sont des ensembles de fonctions. Je vous ai mis d'autres petits détails aussi, si ça vous intéresse. C'est quoi un package, dans le fond? Donc, une fois que vous avez installé R, que vous avez installé RStudio, vous pouvez installer dans votre RStudio ce qu'on appelle des packages. En français, on va dire des modules, des extensions, des bibliothèques. Ça dépend de la documentation qu'on utilise. Dans le fond, c'est comme des ensembles de fonctions préfabriquées qui sont souvent liées à une méthode ou à une technique. Par exemple, vous allez avoir des modules spécialisés pour faire de l'analyse quantitative en économétrie. Vous allez avoir des modules spécialisés pour faire des régressions, des modules spécialisés pour faire des graphiques et des modules spécialisés pour faire des documents R Markdown. Quand vous installez R, vous avez un ensemble de packages qui sont déjà préinstallés
dont les packages Air Markdown, Knitter, dont j'ai parlé au départ. Mais il y en existe beaucoup d'autres. Vous allez voir, pour faire du Air Markdown, vous avez toute une panoplie de packages spécialisés que vous pouvez installer également pour réaliser des documents de présentation plus sophistiqués. On va se limiter à la base pour cette présentation-ci. Donc, qu'est-ce que c'est Air Markdown? Dans le fond, c'est un mélange de Air et de Markdown. Mais en fait, Air Markdown, c'est un, de façon très pratico-pratique, c'est un package dont je viens de parler, qui est installé par défaut dans Air Studio. C'est ce qu'on appelle un outil de programmation lettrée, qui est la traduction de Literate Programming, qui est créé pour assurer la reproductibilité de la recherche. C'est-à-dire que ça va vous permettre, dans un seul document, de mélanger du texte, d'analyse, par exemple, de la documentation, vos lignes de code, vos résultats, vos graphiques, des images, etc. Le document que vous regardez en ce moment, c'est un document Air Markdown. Donc, en fait, c'est un outil qui utilise Markdown de façon spécialisée quand on veut faire de l'analyse quantitative, parce que ça permet de mettre du code. Mais dans le fond, vous pouvez très bien utiliser Air Markdown même si vous ne faites pas d'analyse quantitative. Comme vous voyez, mon document de présentation ici, c'est comme un PowerPoint. Je n'ai pas de code, mais je peux très bien l'utiliser. Maintenant, j'utilise ça au lieu de faire des PowerPoint, que j'ai du code, que je fasse des statistiques ou pas. Donc, ça peut être utilisé dans tous les domaines, que vous soyez en histoire, en littérature ou en statistique. Ça peut être un outil de présentation de documents super utile. C'est la version moderne et simplifiée d'autres outils dont vous avez peut-être déjà entendu parler, utilisés déjà depuis plusieurs décennies. Hein. C'est rien de... Le concept en soi n'est pas nouveau. Donc, déjà utilisé par les chercheurs qui faisaient du literate programming. Donc, les ancêtres, c'est... les ancêtres qui existent encore, en fait, ne sont pas morts. C'est LaTeX, Weave et S. S qui est l'ancêtre de R. Ça permet donc d'éviter toutes les étapes, si vous faites de l'analyse quantitative, toutes les étapes de copier-coller, de tableaux, de graphiques, quand vous faites des PowerPoint ou quand vous faites juste un document, vous faites un travail, vous avez à copier-coller des graphiques dans Word, par exemple. Bien là, vous pouvez créer automatiquement un document avec votre code, avec vos graphiques, avec votre analyse, puis vous exportez ça en un clic en différents formats. Ça peut être en Word. PDF, on ne le verra pas parce qu'il faut du LaTeX, c'est plus lourd. De toute façon, si vous exportez votre Word, votre document Word, vous pouvez l'enregistrer en PDF. Donc, on évite ce problème-là. Vous pouvez exporter en PowerPoint, en HTML, comme le document que vous regardez en ce moment. C'est optimisé pour la création de documents HTML, donc c'est un format qui profite de beaucoup d'options intéressantes. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment la base, comme j'ai dit au début, mais Air Markdown, ça a l'avantage de pouvoir être aussi simple ou compliqué que vous voulez que ce soit. Donc, ça dépend des objectifs que vous mettez. Et donc, le concept, c'est qu'à partir d'un seul document, donc le document que vous regardez en ce moment, là, dans mon Air, c'est ceci. Donc, ça, c'est mon document, le document de présentation que vous regardez en ce moment, là, c'est ça. Comme vous voyez, l'image que vous avez vue dans une autre diapositive. Bon, fait que vous voyez cette image-là, ici, là. C'est ça, ici. Donc, si vous travaillez, si vous remplacez la création de documents Word ou la création de PowerPoint par RStudio, c'est avec ce genre de fichier-là que vous allez travailler. C'est simple. Ça, c'est l'environnement de Air Studio. Comme je vous ai dit, je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous le présenter, malheureusement, parce que c'est une formation en soi. Le concept, c'est que vous avez le document. Ça dépend si vous faites beaucoup d'analyses quantitatives ou pas aussi. En fait, si vous faites juste un document de présentation puis que vous ne faites pas vraiment de code, si on veut, la fenêtre qui va vous intéresser, c'est celle-ci. C'est votre script, c'est votre document. Si vous faites de l'analyse quantitative en bonne et due forme, vous allez avoir besoin des autres fenêtres. Ici, vous allez gérer vos objets. Dans R, contrairement à SPSS ou Stata, on travaille avec des objets en mémoire.
donc vos objets, soit vos tableaux, vos graphiques, vos variables vont se trouver ici. Dans la fenêtre ici en bas à droite, vous pouvez gérer vos dossiers. C'est très important quand vous faites du R Markdown de toujours vous créer un dossier où tous vos fichiers vont se trouver dans le même dossier. Donc, vous pouvez, vous voyez ici, comme il y a les dossiers qui se trouvent sur mon poste, donc vous pouvez aller vous promener dans vos dossiers à partir de la fenêtre qui est ici. Puis ici, c'est la console. Donc, pour ceux qui font de la programmation, de l'analyse en bonne et due forme, vous allez peut-être vouloir utiliser la console qui est ici. Mais généralement, même quand on fait du script d'analyse, on va travailler avec un script et non pas avec la console ici. En gros, c'est l'environnement dans lequel vous allez être appelé à travailler si vous voulez faire du R Markdown. Et donc, à partir de mon document, là, mon document qui est ici, qu'on voit ici, vous allez pouvoir, à partir d'un seul clic, l'exporter en document Word, l'exporter en document PowerPoint, l'exporter en document HTML. Ça peut être une présentation HTML, ça peut être un fichier HTML, ça peut être un site web au complet. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être aussi simple ou aussi compliqué qu'on le veut. Donc, comment ça marche? Je vous ai fait un petit dessin. Je vous l'ai décrit de façon un peu plus élaborée. Vous lirez au besoin. En gros, je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ce n'est pas vraiment essentiel de comprendre tous ces détails-là. En fait, c'est juste pour lever un petit peu le capot, juste pour voir un petit peu le moteur, pas trop. Ça peut être utile. En fait, quand tout fonctionne, là, on pèse sur un bouton puis ça fonctionne, sans vraiment qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Mais des fois, savoir un petit peu ce qui se passe sous le capot, ça peut être utile, surtout quand ça ne fonctionne pas. C'est comme une voiture. Tant que votre voiture fonctionne, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment un moteur marche. Bon. Alors, le concept de base, c'est que vous travaillez avec votre document R Markdown. Donc, comme je vous ai dit, vous travaillez ici avec votre document. Je vais vous montrer dans un instant comment commencer par zéro, évidemment. À partir de votre document, donc vous allez mélanger du texte balisé en Markdown, on y revient dans un instant, avec du code R, si vous faites du code. Si c'est juste une présentation avec du texte, ben vous n'avez juste pas de code, c'est juste du texte balisé en Markdown. Que vous faites dans un document qui est en format .rmd, qui est un format R Markdown, directement dans RStudio. Une fois que votre document est fait, vous cliquez sur un bouton, le bouton qui vient du package Knitter. Knitter qui veut dire littéralement en anglais tricoter. Ça s'appelle tricoter parce qu'en fait, cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va tricoter votre code et ses résultats et votre texte. Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton Knitter, en principe, ça fonctionne. Vous n'avez pas à vous en soucier, à vous soucier des détails. La fonction qui roule derrière, elle s'appelle Render. On peut le faire aussi par ligne de commande, mais il y a un bouton qui nous facilite la tâche. Ça va créer un document intermédiaire qui s'appelle .md, qui est un document en format Markdown, qui va être réutilisé par un autre outil que j'ai mentionné, un autre package qui est installé par défaut qui s'appelle Pandoc, dont la tâche, on l'appelle le couteau suisse. Donc, l'intérêt, c'est qu'il va générer votre document MD en fonction du format que vous allez lui spécifier, HTML, Doc, PowerPoint ou PDF. Donc, il y a comme trois étapes, mais vous, dans le fond, vous cliquez sur un bouton, vous croisez les doigts, puis ça devrait fonctionner. Mais derrière, sachez que quand vous cliquez sur le bouton, il y a quand même une série de roues qui se mettent à rouler derrière. Donc, c'est quand même bon de savoir qu'il y a un certain processus qui se passe. Vous pourrez, donc, je vous l'ai résumé ici. Si vous vouliez faire du LaTeX, il y a une étape supplémentaire qui s'ajoute à cette série de roues qui se mettent en branle, mais on va laisser le LaTeX de côté. À la base, il y a deux types de documents différents qui peuvent se décliner en différents formats. Il y a des documents de présentation, puis il y a des formats de présentation et des formats de documents. Donc, un format de document dans le sens de document Word ou document PDF.
Il y a RTF aussi, documents GitHub, si on veut, etc. Donc, ça, c'est les formats de base qui se trouvent dans RStudio. Et vous avez des documents, des formats de présentation. En d'autres mots, des diaporamas de type PowerPoint. Comme ce que vous regardez en ce moment, c'est un document Slidey Presentation, qui est un format disponible directement dans RStudio. Vous pouvez aussi générer un PowerPoint directement, si vous voulez, à partir de RStudio. Donc, c'est les deux catégories de formats de présentation. Présentation comme diaporama ou document, comme un document que vous pouvez imprimer. Ça, c'est la base, mais une fois qu'on maîtrise la base, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a toutes sortes de packages qui sont développés, comme RStudio, c'est des outils ouverts. Bien, vous avez toute une communauté de statisticiens, de programmeurs, d'analystes qui développent des packages pour vous permettre de créer toutes sortes de présentations. Je vous en ai mis quelques-uns, il y en a d'autres. Ceux-là, on les voit souvent dans la documentation, c'est pour ça que je vous les ai présentés. Des très populaires, il y a Bookdown qui est souvent utilisé et Blockdown. Bookdown, c'est pour rédiger donc des documents de long format. Vous pourriez rédiger votre thèse avec Bookdown si vous vouliez. Xaringan, j'ai fait une présentation avec ce format-là qui est super intéressant aussi, qui est assez connu. Distill, qui est pour faire des sites web, pour faire des blogs aussi, pour faire des articles scientifiques également. Leaflet, des documents, des sites web. Flex Dashboard, pour faire vraiment des dashboards quand vous avez beaucoup de données à présenter. Hugo, c'est pour faire des sites web. Bref, vous en avez toutes sortes. Donc, c'est des packages que vous installez dans RStudio que vous allez... il faut apprendre à les utiliser, par contre. Donc, c'est pour ça que l'utilisation de ces outils-là, j'ai noté que ça nécessite l'apprentissage de paramétrage puis de balisage particulier, ce qui peut nuire à l'interopérabilité des formats. Quand vous faites du R Markdown de base, vous pouvez exporter en doc, vous ne pouvez pas exporter en différents formats. Quand vous utilisez des packages qui sont spécialisés, bien là, le balisage peut être propre à cet outil-là et donc ça peut nuire à l'interopérabilité des différents formats d'exportation. Donc, c'est important de le savoir. Vous pouvez aussi créer vos propres gabarits de présentation si vous voulez. Je voulais vous mentionner aussi que, en fait, quand je vous parle de différents types de présentations, on parle beaucoup dans le sens d'esthétique de présentation. Comme moi, vous voyez, j'ai fait ce document-là volontairement le plus simple possible. Je n'ai fait aucun paramétrage particulier. Donc, c'est le format qui m'est proposé par ce type de présentation-là. Le titre est bleu, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est le format qui me le propose par défaut. Si ça ne fait pas votre affaire, vous pouvez aller utiliser d'autres formats de présentation ou, là, ça va dépendre de vos compétences. En fait, surtout pour ce qui est HTML, si vous voulez paramétrer, par exemple, moi, je voudrais que le texte soit dans une autre police. Ou moi, je voudrais que le texte soit gris. Je voudrais mettre certaines sections alignées à droite, à gauche. Bien là, c'est votre connaissance du HTML puis du CSS qui va faire la différence. Parce que les packages vont être assez contraignants en termes d'esthétisme. Par exemple, ici, il n'y a pas de marge dans mon document de présentation. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est le format qui est proposé par défaut par ce modèle-là. Si je voulais qu'il soit moins large, il faudrait que j'aille jouer avec le paramétrage du CSS. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit au tout départ que ça peut être aussi simple ou aussi compliqué que vous souhaitez que ce soit. Et donc, pour créer un document Markdown, qu'est-ce qu'on fait? On va dans RStudio et on fait « File »,« New File », »,« R Markdown ». Ici, c'est mon document qui est déjà fait. Si je veux faire, je veux partir à zéro, je vais me créer un document Markdown. Donc, je fais « File »,« New File ». Là, vous avez différentes options. En fait, dans R Markdown, il y a différents types de formats de documents. Je répète beaucoup formats de documents. Vous pouvez faire, quand vous faites juste de l'analyse quantitative, vous faites R Script. Donc, c'est votre script d'analyse. Puis là, vous mettez vos lignes de code et vous faites vos analyses. Il y a ce qu'on appelle des notebooks aussi, qui est un type de document R Markdown. Si vous faites beaucoup d'analyses, si vous avez beaucoup de code et peu de texte,
ça peut être intéressant d'utiliser R Notebook aussi. En fait, c'est très similaire à un document R Markdown. La seule différence, c'est la façon dont vous interagissez avec le code. Les previews du code sont un peu différents. Je n'irai pas dans les détails, mais il y a cette option-là aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est R Markdown aussi. Vous avez d'autres aussi du Swift, RHTML, mais on va se limiter à R Markdown ici. Donc, file to file, R Markdown. D'emblée, ça vous propose différentes options. Donc, quand je vous dis qu'il y a des packages installés de base dans RStudio, ben, c'est ça qu'on me présente ici. Fait que d'emblée, on me donne déjà un titre avec mon nom. Parce que j'ai déjà paramétré mon RStudio. Fait que d'emblée, on me propose un format HTML, un format PDF, un format Word. Comme je vous ai dit, PDF, ça va être avec du LaTeX et il va falloir avoir installé une distribution de tech, donc on ne va pas là. Donc, à défaut de PDF, on a HTML et Word. Pour les documents, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment les documents. Pour les présentations, vous avez trois formats de base, IO Slides, Slidey, qui est le format du document que je vous présente en ce moment. PDF Beamer, ça c'est comme quand vous faites un PDF puis vous l'exportez en format, ou quand vous avez un PowerPoint puis vous l'exportez en format PDF. C'est ça, un PDF Beamer. Encore là, ça va être le même problème. Il faut avoir installé Miktex, si vous voulez. Donc, on laisse faire. Shiny, c'est pour faire des sites web interactifs. Ça va un peu plus loin. From Templates, c'est si vous voulez utiliser un gabarit de présentation défini par défaut. C'est-à-dire un package que vous allez installer dans RStudio. Moi, j'en ai plusieurs parce que je m'amuse avec différents templates. À la base, vous allez avoir Reveal, vous allez avoir GitHub. Qu'est-ce que vous allez avoir? Je pense que vous allez avoir Shower Presentation aussi. Donc, ça, c'est des documents de type un peu comme celui que je vous présente, des diaporamas. Ou ça dépend, en fait. Ça peut être aussi pour créer des thèses, des mémoires, etc. Donc, ça dépend des packages que vous allez avoir installés, les options qu'on vous propose ici. Ça va être, par exemple, pour faire une présentation Xaringa, c'est Ninja Presentation. Donc, vous avez différentes options. Puis là, c'est une question de gabarit, c'est une question d'esthétisme de votre présentation. Vous avez des trucs vraiment super le fun à explorer avec ça. Donc, moi, tout ce que je veux faire, c'est une présentation slidey, comme celle que je vous présente en ce moment. Je vais faire OK. Vous voyez un document R Markdown, ça ressemble à ça à la base. Vous avez ici ce qu'on appelle un YAML, YAML. Je vais retourner à mon document de présentation un instant. En fait, vous avez trois types de contenu dans votre document R Markdown. Vous avez ici ce qu'on appelle l'entête YAML, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là que vous allez aller définir dans votre document c'est quoi le format que vous voulez, c'est quoi les options que vous voulez. Est-ce que vous voulez une bibliographie à la fin? Est-ce que vous voulez numéroter vos titres? Est-ce que vous avez... Donc, tout dépendant du output, donc du type de format d'exportation que vous utilisez, il va y avoir toutes sortes d'options que vous pouvez définir dans ce qu'on appelle le YAML. YAML qui est un acronyme un peu laid pour Yet Another, quelque chose du genre. Vous avez des blocs de code. Si vous faites l'analyse quantitative avec R, vous allez mettre dans votre document R Markdown toute votre syntaxe de code dans des blocs de code qui ressemblent à ceci. Et vous allez avoir du texte balisé en Markdown. Vos analyses, vos commentaires, etc. Ça va être du texte que vous allez mettre directement dans votre document. Et donc, à partir du document, chaque section va être exportée en fonction du balisage que vous allez avoir fait. Donc, vous voyez ici du texte en Markdown, ça va être exporté comme un texte. Ça, c'est un format HTML. Vos blocs de code vont être exportés. Donc, on va voir votre code et on va voir le résultat de votre code. Vous allez avoir d'autres textes si vous voulez. Vous allez avoir vos graphiques. Si vous mettez une ligne de code pour faire du graphique, la ligne de code va apparaître et votre
graphique va apparaître aussi dans votre document. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça aide à la reproductibilité. C'est qu'on voit directement dans votre document la source de vos données, votre code d'analyse et votre résultat et vos graphiques. La syntaxe YAML qu'on met au début ici, là, les sous-options que vous pouvez mettre vont dépendre du document que vous choisissez. Les options les plus élaborées, les plus complexes, comme j'ai dit au départ, c'est en format HTML. C'est vraiment optimisé pour la création de documents HTML. Vous pouvez définir toutes sortes de paramétrages. Par exemple, je vais vous donner, sans voir ce que ça donne, ce n'est pas évident à comprendre, je l'avoue. Vous voyez ici, je vais vous montrer un autre truc, un autre document que j'ai fait. Donc, ce site web-là, je l'ai fait avec R Markdown, avec un package qui s'appelle Distill. Et donc, vous pouvez créer un site web au complet et chaque page de votre site web, c'est un document Markdown. Et ça, vous définissez tout ça dans l'entête qui est ici. Là. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est votre capacité à paramétrer votre document, votre output en fonction des différents paramétrages possibles. Alors, ce document-là que j'ai fait, dans le fond, avec Distill, ça m'a permis de créer des documents. Donc, ça, c'est une formation pour apprendre R, si ça vous intéresse d'ailleurs. J'ai pu mettre mes blocs de code, j'ai pu mettre mon texte. Vous voyez ici, j'ai une table des matières. Elle a été définie dans mon YAML qui est ici. Donc, c'est vraiment ça qui va venir paramétrer la présentation, le résultat de votre document. J'ai pu même ajouter du JavaScript pour faire apparaître et disparaître les résultats de mes lignes de code. Donc, si vous faites des graphiques, c'est la même chose. Vous allez avoir vos lignes de code. Vous pouvez vous mettre ou pas une table des matières. Ça, c'est vraiment un format HTML de base. Il n'y a pas tellement de paramétrage à faire à part le YAML, dans le fond. J'ai pas fait CSS là-dessus. Donc, vous pouvez afficher vos graphiques comme ça dans votre document HTML. Et donc, vous mélangez votre code, vous mélangez vos résultats, vous mélangez votre texte. Donc, c'est l'exemple d'un genre de document de présentation qu'on peut faire avec un package qui s'appelle Distill. Donc, vous voyez ici, si je veux mettre une table des matières, comme ça ici, là, ben, c'est simplement une sous-option qui s'appelle TOC, Table of Contents, où je mets True. Souvent, les options, c'est True ou False. C'est une logique booléenne. Donc, oui, TOC Float, c'est comme une sous-option. Je l'ai mis true. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je me déplace dans mon document, la table des matières, elle reste là. T'sais, elle n'est pas figée en haut, puis elle s'en va avec le texte. Elle float à gauche. Number sections. Est-ce que je veux qu'il y ait un nombre dans mes titres? Smooth scroll. Est-ce que je veux que ma table des matières, elle se déplace en même temps que mon texte. Donc, c'est toutes des sous-options. Puis, comment on fait pour savoir c'est quoi les sous-options? Bien, c'est pour ça que je vous dis que R Markdown, on l'apprend en le faisant. Il faut explorer les différentes sous-options avec la documentation d'aide, évidemment, ce qui aide beaucoup. Vous pouvez rajouter un style CSS, c'est-à-dire une feuille de style si vous maîtrisez le CSS. À partir du moment où vous faites ça, bien, votre CSS prend le dessus sur le style qui est défini par défaut dans votre document de présentation. Vous pouvez ajouter une bibliographie. C'est un besoin un petit peu plus avancé, mais une fois qu'on le maîtrise, ça, c'est quand même super utile. Donc, pour connaître les différentes options, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le code de R pour aller chercher l'aide d'un package qui ressemble à ceci. Si je fais un copier-coller de ça dans ma console, vous allez voir le fichier d'aide de R Markdown. Alors, vous voyez toutes les sous-options qui sont ici. C'est ça que vous pouvez configurer.
directement dans votre fichier R Markdown, dans votre en-tête ici, pardon. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui vont dépendre du package particulier que vous pouvez utiliser ou pas. Mais on s'en limite, on se limite à la base. Vous pouvez aussi les modifier avec l'option, ici vous voyez le bouton Knitter dont je vous parlais au départ. Vous pouvez, il y a des options qui sont paramétrées par défaut ici. Si je vais dans Output Options, vous voyez ici, je peux changer mon document IO Slides. Si je fais ça comme ça, regardez bien mon output ici, là, qui est écrit Slidey Presentation. Si je change le format ici, puis je fais OK, vous voyez qu'il vient de changer. Donc, c'est comme automatisé, mais dans le fond, vous avez juste à l'écrire à la main. C'est les gens qui maîtrisent bien R vont toujours, RStudio vont toujours travailler à la main, ils ne vont pas prendre. Mais ça, ça peut vous aider au départ pour voir les différentes options. Donc, si je reviens à mon slidey, là, on revient à la base, puis je fais OK. Si je clique sur Knitter, le bouton dont je vous ai parlé au départ, il va me dire, OK, je vais te créer un document. Tu veux générer un document, je vais te le créer. C'est pour ça que je vous ai dit, créez-vous un dossier où vous allez exporter au même endroit tous vos fichiers de test, vos images, etc. Là, je vais mettre ça un peu n'importe où. Là. Je vais faire ça comme il se doit, appeler ça « test ». Ce qu'il ne faut jamais faire, mais je vais le faire. Je fais « OK ». Là, vous croisez les doigts, puis là, vous voyez que ça a généré un document avec le contenu. Ça, c'est comme un contenu test. Dès que vous faites « File Markdown », ça vous génère un contenu test. Donc, ici, vous voyez le « Untitled » ici. C'est le « Untitled » qui est écrit ici. Mon nom, c'est mon nom qui est ici. La date, c'est la date qui est ici. Le format, ça ici, là, le format, c'est-à-dire le layout et tout, là. Ben, c'est Slidey Presentation Output qui est défini ici. C'est vraiment ça qui définit qu'est-ce qui va être exporté. Puis là, si on regarde le reste du contenu, ben, c'est ici. This is an R presentation, markdown, blablabla. Bla, bla. Vous voyez, c'est le contenu qui se trouve ici. Pour faire Slide with Bullets, vous voyez les trois points qui sont ici. Vous voyez du code qui est ici par défaut, avec son résultat, puis vous voyez le graphique qui est ici dans le bloc de code qui se trouve là. Ça, c'est un preview. Vous pouvez l'ouvrir dans Open in Browser. C'est un document HTML, donc c'est un document que vous pouvez ouvrir dans votre navigateur. Donc, c'est comme la présentation que je vous présente depuis le début. Si on change les options, par exemple, je ferme ma visionneuse. Puis si justement, je m'en vais ici, puis ah, tiens, je vais explorer les autres options. Je vais mettre IO Slides à la place pour voir ce que ça donne. Vous pouvez changer les styles aussi. Vous pouvez changer différents éléments. Slide Presentation, Syntax Highlight, on va laisser ça par défaut. Ça vient changer mon format. Si je fais Knit, ben là, vous voyez que le format, c'est encore un document de présentation, donc un diaporama. Mais là, vous voyez que par défaut, vous voyez la façon, la transition entre les pages est différente. Le contenu est le même, mais vous voyez, vous avez un tour noir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, selon le style de document que vous utilisez, le contenu reste le même. Et c'est ça l'objectif, dans le fond, c'est qu'à partir du même document avec le même contenu, vous pouvez générer des présentations de différents styles puis de différents types sans changer votre contenu, juste en changeant les options qui se trouvent ici dans votre YAML au départ. Donc, c'est ça qui est intéressant, dans le fond. C'est un peu contraignant, par contre. Si vous ne connaissez pas le CSS et le HTML et que vous voulez changer, par exemple, vous dites « Ah oui, mais il me semble que le tour noir est beaucoup trop gros. Là. Je voudrais agrandir la présentation. J'aimerais ça que le titre soit bleu. J'aimerais ça que
ça se modifie par CSS. Donc, si vous ne le maîtrisez pas, vous êtes un peu pris avec les formats de présentation par défaut qui vous sont proposés. Mais il y en a plusieurs, donc on va souvent trouver ce qui fait notre affaire. Vous pouvez inclure, soit faire une feuille CSS séparée, ou vous pouvez inclure des balises CSS directement. R peut reconnaître les styles CSS, les balises de div, par exemple, si vous le maîtrisez. Donc, vous pouvez mettre des div pour changer le format, les caractères, les couleurs, etc., puis mettre votre style directement en bas de la page. Ou vous créez un CSS séparé, puis l'appeler dans, ici en haut dans les options. Donc, le markdown, rapidement, et mon Dieu, oui. Donc, qu'est-ce que c'est du markdown? Quand on regarde le texte, là, quand il est, c'est balisé en format markdown, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va définir les titres, le gras, l'italique, les citations, les listes numérotées ou pas. C'est vraiment un langage de balisage super simple pour faire de la mise en page de base. C'est pour ça que quand on veut aller plus loin, comme changer les couleurs, comme changer la grosseur, c'est du CSS qu'il faut utiliser. Donc, du Markdown, ça ressemble à ceci. Et comme j'ai dit au départ, c'est une version simplifiée du HTML. C'était ça l'objectif. Si vous avez déjà fait du HTML, vous savez par exemple que faire un titre, c'est une balise H1, H2, H3. Mettre du texte, vous mettez ça dans des balises P. Faire des listes, ça ressemble à ceci. L'équivalent en Markdown, c'est simplement ça. Vous voulez faire un titre de premier niveau, donc vous le voyez ici, texte formaté en Markdown, c'est simplement un hashtag dans le fond. Un titre 2, c'est 2, 3, 4, 5. Du texte ordinaire, vous faites simplement taper votre texte. Vous pouvez faire des blocs de citation au lieu de mettre un bloc quote en HTML, c'est simplement le signe plus grand que. Vous voulez faire des listes, c'est comme ceci. Donc, le balisage Markdown en soi, là, ça s'apprend en 10 minutes. En fait, ça se résume, je vous ai mis un lien, un reference guide, puis un petit tutoriel Markdown. Mais je vous jure, 5-10 minutes, c'est appris. Puis après, vous faites du copier-coller de toute façon. Là, t'sais. Donc, en fait, ça se résume à ceci. Vous mettez du texte brut. Si vous voulez mettre en italique, c'est en 2 étoiles. En gras, c'est 2 étoiles. Vous pouvez insérer une image, insérer un lien, faire des titres, faire des listes. Vous pouvez faire des tableaux. Bon, on peut aller un petit peu plus loin quand même, là, mais en gros, du balisage de texte Markdown, là, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous voyez dans mon document ici, là, vous voyez, ça c'est un titre de niveau 2. Donc, quand vous rédigez du texte, vous faites juste ce rédiger comme ça. Ceci est mon titre. Puis, vous continuez. Là, vous continuez votre texte. Vous voulez faire une liste, vous mettez ça comme ça. C'est vraiment du balisage de base. Puis, à partir de ce balisage-là, bien, le package que vous utilisez bien, va le transformer en fonction de son paramétrage au niveau de la police, par exemple. Moi, le package Slidey, le type Slidey que j'utilise, s'il voit un texte, il va le mettre en bleu, comme ça. Donc, dès qu'il va voir un hashtag, c'est lui qui va définir c'est quoi la propriété de mise en page. Donc, vous, ce que vous avez à faire à la base, c'est d'utiliser le Markdown, comme ça. Puis après, la façon dont c'est présenté, c'est le package qui va le décider ou c'est votre CSS qui va le décider aussi. Pour le code, ben là, je vais laisser ceux qui font du R, vous connaissez comment faire l'analyse dans R. Pour ajouter des blocs de code, vous pouvez faire insert, ici. Vous pouvez faire différents codes aussi, du Python, SQL, etc. Donc, des balises de code, c'est ça ici. C'est trois accents graves avec R entre accolades. Donc, c'est comme ça que vous allez mettre votre code parse. Bon, il est déjà là. Donc, si vous ajoutez, puis vous avez un raccourci CTRL-ALT-I. Donc,
pouvez en ajouter beaucoup d'un coup. Là, si vous avez beaucoup de codes à faire, ça se fait quand même assez rapidement. Puis là, quand vous allez faire knit comme ça, ben vos résultats de code, peu importe ce qu'il est, va sortir. Donc ça, c'est Summary Cars. Ah, ça, c'est mon ancien truc. Mais bref, donc ça va présenter comme ça. Vous pouvez interagir de différentes façons avec vos différents blocs de code directement dans votre document R Markdown aussi. Et vous pouvez aussi installer du code, donc des blocs de code, comme je viens de montrer. Vous pouvez mettre du code aussi directement dans votre texte. Je n'irai pas dans les détails. Pour ceux qui font du R, vous pourrez l'explorer également. Ce qui est le plus délicat à maîtriser au niveau des options, c'est le comportement des blocs de code. Par exemple, ça se pourrait que dans votre document de présentation, vous vouliez que le graphique apparaisse, mais pas le code. Ou ça pourrait être le contraire. Vous voulez que le code apparaisse, mais pas le résultat. Ou vous voulez que les deux apparaissent, mais séparément. Vous pouvez paramétrer le fonctionnement des blocs de code. Puis je dirais que c'est les options qui prennent un peu le plus de temps à maîtriser, contrairement au R Markdown qui se fait au niveau du texte, c'est vraiment rapide. Fait que vous voyez, par exemple, ça, c'est des options que vous mettez dans la balise, dans l'accolade R, dans votre bloc de code. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mis le code pour une moyenne puis une médiane. C'est juste pour un exemple. Fait que vous voyez le comportement des blocs de code par défaut. Quand vous allez générer votre document, ça va mettre votre code et le résultat. Vous pouvez mettre une option parmi d'autres qui s'appelle echo égale false. Encore là, c'est des options, booléennes, true, false. Si je mets echo false, vous voyez le résultat ici. Ça montre le résultat, mais ça ne montre pas mes lignes de code. Vous pourriez vouloir collapse, c'est-à-dire que vous mettez ici, j'ai deux fonctions dans le même bloc. Vous voyez, ça me présente les résultats de façon séparée par défaut. Vous pourriez faire collapse, ça vous met les résultats dans un même bloc de résultats. Vous pouvez faire eval false. Là, vous voyez que ça met votre code, ça ne met pas les résultats. Donc, si vous voulez simplement présenter votre syntaxe d'analyse, mais pas les résultats, vous pouvez le paramétrer comme ça. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Là, j'en ai mis quelques-unes, il y en a d'autres. Vous pouvez aussi paramétrer la grosseur de vos résultats, etc. Donc, vous pouvez explorer ces fonctions-là avec le document le cheat sheet de R Markdown que j'ai mis à la fin. Mais ça se maîtrise quand même assez bien. On les essaie un par un, puis on voit c'est quoi le résultat sur notre code, puis là, on dit OK, ça se maîtrise assez bien quand même. Donc, je n'irai pas tellement plus loin pour les détails de blocs de code. Vous pourrez l'explorer selon vos besoins. Vous avez toutes sortes, pour aller plus loin, donc vous avez toutes sortes de paramétrages utiles. J'ai fait un autre document de présentation auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien ici, exemple de paramétrage utile. Alors, c'est un document que j'ai fait, un document R Markdown de type HTML avec une table des matières. Où je vous ai mis différentes options que vous pouvez mettre dans votre YAML à explorer. Par exemple, si vous voulez rajouter une table des matières. Si vous voulez numéroter vos titres, je vous ai mis quelles options mettre. Vous pouvez même transformer vos sous-titres en onglets. Vous pourrez l'explorer, par exemple, comme ceci. Un peu comme un site web dans votre document. Vous pouvez mettre en forme vos graphiques, la largeur, la hauteur, etc. Je vous ai expliqué un peu comment changer le CSS, mettre du CSS directement dans votre document, comme pour faire un résultat comme ceci sur vos blocs de code, etc. Donc, c'est vraiment des options intéressantes à explorer selon vos besoins. Donc, vous pourrez faire du copier-coller directement dans vos scripts, faire de la mise en page de tableaux aussi, si vous le voulez, et pour faire des bibliographies également. Pour attacher votre fichier de bibliographie, si vous voulez. Et donc, il reste un gros 5 minutes. Je sais que c'est très, très technique. C'est pour ça que j'aurais vraiment préféré travailler avec vous sur des postes en laboratoire pour pouvoir jouer avec tout ça. Mais c'est
simplement pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, puis est-ce que ça vous tente de passer de PowerPoint à ça, et vous montrer à quoi vous attendre si vous faites le choix de vous lancer dans R Markdown. Si vous faites l'analyse quantitative, je vous dirais d'emblée, c'est vraiment merveilleux ce qu'on peut faire. Vous pouvez aller voir aussi, je vais vous mettre le lien donc dans le chat. Vous pouvez aller voir d'autres documents que j'ai fait aussi ici pour vous donner une idée des formats que vous pouvez utiliser. Donc, ça encore, c'est un format slidey. J'en ai fait un avec un package qui s'appelle Xaringan, que je ne sais pas comment prononcer parce que c'est du chinois si je ne m'abuse. Par exemple, ce format-là avec ce package-là. Donc, vous voyez, la mise en page est différente. Ça, j'ai mis quand même pas mal de CSS, par contre, pour aligner à droite, aligner à gauche, etc. Mais c'est le genre de document de présentation que vous pouvez faire. Encore là, c'est une présentation qui a aucun code. C'est vraiment l'équivalent d'un PowerPoint. Alors que si vous faites du code en bonne et due forme, ben là, évidemment, c'est super intéressant. Vous avez votre code, vous avez vos résultats, vous avez votre texte d'analyse, etc. Puis vous pouvez, donc, compiler tous vos documents R Markdown pour faire un site web. Dans ce cas-ci, je l'ai mis sur GitHub. Il y a quelque chose qui s'appelle Netlify, si vous ne voulez pas vous lancer dans GitHub, qui vous permet de mettre des documents HTML en ligne en 30 secondes. Vraiment, c'est un gros 30 secondes. Si je retrouve, je vous ai mis le lien quelque part à la fin. Ça s'appelle Netlify, comme ça. Puis vous avez juste à faire un copier-coller ou un drag and drop, en fait, de votre dossier avec votre fichier HTML. Vous le droppez directement ici dans Netlify et vous avez un lien pour accéder à votre document en ligne en 5 secondes. C'est beaucoup plus expéditif que GitHub qui peut nécessiter quand même une quantité d'apprentissage un peu plus importante, si on veut. Et vous avez d'autres infos pour apprendre Markdown, pour apprendre... C'est plus loin. Donc, un tutoriel pour apprendre comment baliser votre document en Markdown. Vous avez des cheat sheets. Vous avez les trois ici. C'est les trois documents essentiels pour apprendre R Markdown et apprendre l'utilisation de différents packages. Ces trois documents-là, c'est vraiment tout ce que vous avez. C'est le plus élaboré aussi. C'est pas un résumé. C'est vraiment celui, en fait, c'est celui, le programmeur qui a développé R Markdown. C'est ces documents de formation. Puis, je vous en ai mis d'autres aussi au bas que je trouve très utiles. Je m'excuse, je n'ai pas fait d'effort pour en trouver en français. C'est ce que j'essaie généralement de faire. Là, je vous ai juste présenté ce que moi, j'utilise. J'ai beaucoup utilisé au départ, du moins. Mais il doit sûrement en exister en français. En français également. Alors, voilà ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. J'avoue, j'espère que vous n'êtes pas complètement assommés par tous ces détails techniques-là. Pour le document de présentation, je vous le mets dans le chat tout de suite. Si je peux retrouver mon chat dans un instant. Pourquoi je ne le vois pas? Je ne sais pas. Pourquoi je ne vois plus mon chat? C'est ça, c'est que des fois, il est en arrière de tout le reste, mais je peux mettre le lien. Dans le fond, c'est le lien vers ton site général qu'on met. Ah oui, je l'ai. OK. Oui. Fait que ça, c'est mon GitHub principal. Puis pour aller voir la formation sur R Markdown, vous avez juste... Donc, gênez-vous pas si ça vous tente de le consulter, évidemment. Vous allez sous « Plus ». Puis vous allez avoir R Markdown ici. Et donc, voilà ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il reste encore des vivants qui ont des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on indique merci beaucoup pour l'instant. Petit
peut-être un peu trop assommant pour avoir des questions. Mais en tout cas, je te dis un coup d'œil. Vous pourrez, si l'enregistrement est sur YouTube, vous pourrez le regarder, tout dépendant du résultat. Puis vous avez toujours mon document de formation si vous avez des questions. Donc, ne vous gênez surtout pas pour me revenir. Okay. Il y a même une personne qui confirme qu'elle est vivante. Et merci pour la présentation. C'est vraiment impressionnant, les possibilités qui s'ouvrent. Merci. Donc, c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était quand même complet pour présenter ce qui était possible, justement, de faire, pour nous donner ou non le goût de l'utiliser. Faut pas que vous vous laissiez intimider au départ. Je sais que ça peut l'être, surtout par rapport à la simplicité de faire un PowerPoint, j'admets, là. Ça peut être un peu décourageant. Aussi, ce que vous allez trouver peut-être, c'est si vous avez beaucoup de diapositives de présentation, vous allez trouver que votre document est très long. Puis ça peut devenir un peu essoufflant à la longue. Là. Comme vous voyez, mon document de présentation, c'est quand même assez long. Donc, ça peut être un peu étourdissant par rapport à juste un simple PowerPoint là, que vous pouvez manipuler de façon beaucoup plus visuelle. Mais à la longue, on finit par s'y faire. Fait que si vous ne voulez pas faire de CSS, si vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, tenez-vous-en aux Output Options ici. Puis, je ne vous l'ai pas montré parce que je ne vous ai pas montré la moitié de ce qu'on peut faire. Vous pouvez changer... la coloration aussi. Il y a certaines mises en page que vous pouvez changer quand même. Ici, par exemple, pour changer le highlight, c'est-à-dire la couleur de vos blocs de code, par exemple. Donc, il y a certains paramétrages qu'on peut faire directement ici au niveau du style. Mais c'est ça, si vous voulez aller plus loin, c'est sûr qu'il faut, maîtriser d'autres langages, ça aide beaucoup. Mais si vous êtes motivé, franchement, c'est super intéressant, c'est super le fun ce qu'on peut faire, puis vous pouvez l'utiliser, comme je vous dis, pour faire du code ou pas. C'est sûr que c'est optimisé pour ça, mais vous pouvez faire n'importe quel document. Si vous voulez, par exemple, je ne vous ai pas montré, si je veux faire un document Word, là, par exemple, parce que je vous ai fait du HTML depuis le début, là, ben, il faut juste changer le output Word. Il me semble que c'est Word Document. Ça, il me semble que c'est ça. Si je fais Knit, on va le savoir tout de suite. Ça va-tu marcher? Ah, fait que vous voyez, j'ai ouvert mon Word. Puis là, vous voyez mon document. Donc là, le document qui est ici, ben, c'est maintenant un document Word. Donc, il faut faire attention aussi, par contre, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, si vous mettez, par exemple, du CSS pour changer, par exemple, moi, je veux que ça ici, ce soit rouge. Je veux que ça ici, ce soit aligné à droite. Ben, Word, contrairement à un document HTML, il n'est pas capable d'interpréter du CSS. C'est pour ça que je disais au tout départ, faites attention, parce que si vous faites du paramétrage pour un certain type de document, mais que vous l'exportez dans un autre type, bien là, lui, il ne sera pas capable, tu sais, Word, si j'ai mis du CSS pour que ça ici, ça soit rouge, Word n'est pas capable d'interpréter des balises CSS. Ça ne marchera pas. Fait que, faut faire attention, comme je dis, si vous paramétrez un document de façon très détaillée pour un type de output, vous allez être plus contraint dans ce type de output-là. Vous allez pouvoir l'exporter quand même dans un autre, comme un document Word, comme vous le voyez là, ou PowerPoint. J'imagine que ça doit être... Si je veux faire un PowerPoint, j'imagine que c'est ça. Sinon, vous pouvez aller dans vos options pour le changer ici. Oui, puis on a un autre commentaire. En effet, c'est intimidant, mais je vais prendre le temps de comprendre et d'apprendre. C'est technique, mais vous avez su démontrer qu'il était possible de saisir l'opportunité du R Markdown. Bon, donc mission accomplie. Voilà, j'ai pas seulement prêché aux convertis, j'ai fait des nouvelles conversions. C'est super. Mais comme je vous ai dit au tout départ avec ma petite image de chien, là, je vous jure, moi, quand j'ai fait ma première
quand j'ai fait mon premier site web, là, puis j'ai mis ça en ligne, pas lui, un autre, là, j'ai présenté ça à mon chum, là, puis c'est comme si j'étais le bon Dieu. Là. J'étais fière de moi, là, j'étais comme, hey, check, regarde ça, c'est hot. Au lieu de faire un PowerPoint, maintenant, moi, je fais ça. Puis, genre, une heure après, j'ai changé comme une ligne quelque part, puis ça ne marchait plus, puis j'avais le goût de brailler. Fait que vous allez toujours osciller entre les deux états de nirvana et de « moi, je retourne à PowerPoint ». Mais c'est normal, ça fait partie du processus et du défi de l'utiliser. Mais comme je disais, vraiment, si vous faites du quantitatif, je vous dirais question de reproductibilité aussi. Puis si même pour les étudiants maîtrise au doctorat, je vous dirais, je sais que ça fait un peu buzzword, là, faire du R, là, mais maîtriser ça, je vous dirais que ça paraît quand même bien là, d'avoir investi dans l'apprentissage de ce genre d'outil-là qui est ouvert puis qui est de plus en plus. Moi, je regarde les cours de stats en sociaux, en démo, puis de plus en plus, les gens abandonnent ce qu'ils utilisaient avant, c'est-à-dire SPSS, Stata, SAS, puis se tournent vers R parce que c'est un outil gratuit, ouvert, puis très puissant. Ça ne change pas que si vous êtes, par exemple, en santé publique, si vous allez travailler, peut-être que vous allez être obligé d'utiliser SAS. Là. C'est un ne remplace pas l'autre, mais c'est un outil, là, je vous dirais, dans les prochaines années, que vraiment, autant pour faire du quantitatif que juste pour faire des trucs de présentation. Là, c'est super intéressant. Alors voilà, je vous les ai retenus assez longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, puis utilisez mes documents de formation aussi. Alors voilà, et puis merci Cynthia. Merci Caroline, bye bye tout le monde. Puis je vais aussi merci envoyer un courriel aux inscrits avec les liens justement que Caroline a mis dans le clavardage et d'autres liens intéressants. Donc merci à tous et bye bye. Bonne session, ciao.